Bienvenue à vous sur la chaîne Automatique BNB. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour répondre à un commentaire que je viens de voir sur ma chaîne YouTube. J'étais en train de répondre à ma communauté, donc sur YouTube, et quelqu'un m'a simplement dit « Je comprends pas pourquoi tu accompagnes uniquement les personnes qui sont en France. Pourquoi tu fais uniquement des appels stratégiques avec des personnes qui sont en France ? C'est discriminant ce que tu fais. » Mais je vais répondre simplement. En aucun cas, c'est discriminant. Simplement, mes compétences juridiques, techniques, mon expérience, elle est basée sur une expérience que j'ai eue sur le territoire français. Je connais juridiquement, je maîtrise techniquement la location courte durée en France. En aucun cas, je prétends maîtriser la location courte durée en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays de l'Amérique du Nord, les pays asiatiques, les pays d'Afrique. Et donc, vous dire que je peux vous accompagner dans le cadre de ces pays, ça serait vous mentir, ça serait être un vendeur de rêve. Et en aucun cas, je veux être un vendeur de rêve. En aucun cas, je veux vous faire perdre votre temps. Et pareil, je ne peux pas perdre mon temps. Le temps, c'est précieux. Et donc, je ne vais pas perdre du temps avec vous et vous n'allez pas perdre du temps avec moi sur un accompagnement sur lequel il n'y aura aucune transformation. Mon objectif, quand j'accompagne quelqu'un pendant 90 jours, c'est qu'il y ait une réelle transformation entre le moment où j'ai commencé l'accompagnement et la fin de l'accompagnement. Et pour qu'il y ait une réelle transformation, il faut que je vous accompagne sur un territoire que je maîtrise. Et je maîtrise uniquement le territoire français. Donc sur ce territoire, tous ceux qui sont loueurs sur ce territoire, qui souhaitent devenir des loueurs, qui réussissent dans la location courte durée, je peux vous accompagner sans aucun problème. Par contre, si vous êtes sur un autre territoire, c'est pas que j'ai pas envie de vous accompagner, c'est simplement que je n'ai pas les compétences pour vous accompagner. Et donc, ça serait complètement stupide de vous dire que j'ai les compétences dans ce domaine, ça serait vous mentir. Et moi, je suis quelqu'un d'authentique, j'aime bien dire les choses de manière transparente, et donc je vous le dis clairement. Donc en aucun cas, c'est discriminant lorsque je vous dis que je souhaite accompagner des personnes qui sont sur le territoire français. C'est simplement pour que chacun d'entre nous, on ne perde pas son temps et qu'il y ait réellement un bénéfice, une plus-value lorsque je vous accompagne. Effectivement, la location courte durée, en fonction du pays dans lequel vous êtes, ne se maîtrise pas de la même manière. Déjà, d'un point de vue juridique, on n'est pas du tout dans les mêmes règles juridiques. Et donc, par rapport à ça, on ne peut pas faire la même chose en France ou dans certains pays étrangers. Pareil, les mœurs des voyageurs sont complètement différents entre leurs attentes par rapport également aux cultures de ces pays. Donc, attention à ne pas être accompagné ou à suivre quelqu'un sur YouTube ou ailleurs qui va vous faire croire qu'il peut vous accompagner dans un pays qu'il ne maîtrise pas. La location courte durée, c'est certes mondial. Par contre, les mœurs, l'aspect technique, mais également l'aspect juridique est complètement différent d'un pays à un autre, et même des pays qui sont voisins n'ont pas les mêmes règles juridiques. Donc attention lorsque vous faites accompagner à pas vous faire avoir. Donc voilà, je voulais à travers cette vidéo remettre les choses claires. Je ne sais pas si vous allez apprécier ce type de vidéo, mais ça me semblait important de vous le dire pour éviter tout quiproquo. Si vous avez des choses à dire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires sous cette vidéo, et comme tous les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao !